Ces lumières fonctionnent encore. On dirait de la pêche blinde. Ça devait être une mine d'uranium. Ça alors? Ils sont vraiment anciens. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là-dessous? Oula, oula. Ah, let's go. Ah. C'est stylé, c'est stylé, j'aime bien. C'est stylé. Bon, j'espère avoir pris le mauvais chemin. Voilà. Les cul-de-sac, c'est bien, j'aime bien les cul-de-sac. Ça affine les recherches. Quel côté? Lumière. Ah non, mais ça d'où vient là? Ah, il y en a beaucoup. J'ai pris quoi? J'ai pris ouais. C'est là, il faut aller. Bah. Ah, tu crois qu'il faut... Voilà, ok. Oula. Et c'est reparti. Ah c'est bon. Ça, c'est plutôt court. Tu pars d'une entrée. Encore des artefacts. Ils ont dû découvrir un vieux passage. Il faut que je voie ça. Oh putain, sérieux? Cette flasque appartenait à un soldat de l'armée rouge. Je ne reconnais pas cet insigne. Elle est encore à moitié pleine. J'en aurais peut-être besoin avant la fin.
Ah mais là si je balance là, ça va l'eau va l'éteindre. Si je pense à un cocktail Molotov, ça va l'éteindre là. Je dois l'envoyer par-dessus l'eau. Et voilà. Quoi qu'ils aient découvert, ça doit se trouver là. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Ouais. Quelqu'un cachait des outils de mineurs. Et des armes. Nous ne pouvons plus attendre que nos frères à l'extérieur de la mine se soulèvent. Les Soviétiques ont découvert une chose plus précieuse que le minerai toxique. Ils ont découvert l'histoire de nos ancêtres et ont pillé leur tombe. C'est leur dernier crime. Au début, nous pensions que les anciens gardiens se réveilleraient pour punir nos bourreaux. Mais je sais désormais que c'est à travers nous que la vengeance de Dieu s'exercera. Nous rassemblons nos forces, réunissant des pioches et des haches en secret. Bientôt, ceux d'entre nous qui en ont encore la force se révolteront pour enterrer l'oppresseur ici même, avant qu'il ne détruise notre passé et notre présent. Fortune. J'ai un tout petit peu peur de me perdre avec tout ça. Mince! J'ai oublié la bonne compétence. Juste hop, tu fais un truc, hop, voilà. Elle casse tout là, ouais. C'est vraiment un temple de côté Molotov, hein. Un mécanisme pour déclencher une bombe. C'est la même fabrication. Il a dû mettre un temps fou à rassembler tous les éléments. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Ah mais comment veux-tu? Attends. Ne passe plus.
Bon sang. Je dois trouver un moyen de la bloquer pour de bon. Ouais. Ah, j'avais vu ça. Ah non, ah, salut. Alors. Où est-ce que j'accroche ça? Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un Mais autre frérot, chariot. C'est bon, j'ai compris. Je cherche comment là. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Mais comment? Faut que je sais où là. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Une autre fresque. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Putain, je trouve pas moyen là. Mais je suppose qu'il faut faire un truc avec la corde là, mais je sais pas où faut la tirer. Et si là. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Alors, je l'ai fait exprès, c'était pour voir si c'était une plateforme. Il s'avère que non. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot.
Ah, ok. Mais est-ce que je le vois d'ici? Est-ce que je le vois de là-haut, le chariot qui est bloqué là? Je le vois ou pas? Ça m'étonnerait, hein. Là, il y a un chariot qui est là-bas, là. Pourquoi il veut pas être touché de visée là? Alors? Et donc? Merde. Et là, si je fais ça... Il y en a un autre qui s'est ramené là. Parce que j'ai fait de la merde. Bah je sais pas du coup. Ah, attendez! C'est bon, j'ai. Enfin, je pense. Et là, normalement, je vais pouvoir le toucher là. Il y avait plein de bouteilles, moi, à l'époque. Ah, il y en a une là. Voilà. On dirait que les mineurs ont fini par se venger. On dirait qu'ils l'ont traîné jusqu'ici.
complexe ancien. Une réflexion philosophique sur les vertus de la conscience. Atteindre son vie améliorée permet de faire apparaître en surveillance des pièges à proximité. C'est dans un sale état, entre les fouilles amateurs et l'effondrement. Mais ça doit être lié au prophète. Du coup, il y avait que ça du coup. Ça aussi à prendre. Ah ouais, voilà. C'est grâce à ce puits qu'ils ont dû découvrir tout ça. Ça doit être aussi la sortie. Faut vraiment attendre que Lara prenne sa position de côté là pour pouvoir sauter sur le côté. Sinon, c'est impossible sinon. Et nous voilà dans la flotte. J'ai vu que Lara, à sort de la flotte, fait un mouvement avec sa queue de cheval, pour faire genre, ouais, je la sèche, genre, je l'essuie pour la sécher. Comme si en un coup de main, elle est juste devenue sec comme ça. Mais ça va d'y avoir pensé, c'est sympa, je trouve. Bon, nous, le scénario. Il peut une bouteille quelque part? Il pas de bouteille?
Voilà. Alors, là. Pas comme si on avait fait tout un tombeau avec cette mécanique. Et merde, j'ai oublié de. Quel con. Je dis ça et après, juste après, je suis une gorille. Voilà. Des plaques d'identité militaire soviétique, modèle standard, au nom de Yuri Ravdonikis. Le mot condamné est inscrit au dos de la plaque. Non. La médaille des héros de l'Union soviétique. C'est le plus haut titre honorifique décerné pour acte de bravoure. C'était peut-être à l'un des officiers du goulag. C'est quoi le goulag? Une autre plaque soviétique. Oula. Est-ce que je serais pas fait avoir? Minutes. J'ai à peine bougé, hop, la manette elle se connecte. C'est vraiment la merde. Il n'a pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. J'ai vomi dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise, que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire.
C'est quoi ça là? Ah, c'est bien. Pensez-vous en lançant une flèche grappin sur une corde enroulée? Oula! Non, c'est plein. Et là, c'est quoi? Un écrou. Je dois monter ou je dois aller là? Quelle corde? Ah, ok. Non, mais juste voir. Qu'est-ce qu'il y avait à cette échelle? Ouais, nous ouais, ça revient au même, en fait.
Non, je suis vraiment nul. Allez! C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Elle est où là du coup? Ici ou ici là? L'armée rouge a fini par découvrir le temple de la grâce du prophète. Ils ont arrêté leurs autres opérations et ont commencé à piller les trésors de nos ancêtres. Nous sommes prêts. Avec l'aide des autres prisonniers, nous avons réussi à rassembler des armes et des explosifs. Après avoir détourné l'attention des gardes, nous profiterons du chaos pour nous révolter. L'armée rouge a été sans pitié envers nous. Et nous ferons de même. Nous tuerons ces envahisseurs jusqu'au dernier. Alors seulement, notre secret sera en sécurité. Le Jacob là, il nous a donné un rendez-vous dans un endroit pas très sécure en vrai. Hein. Je suis dans une mer de noir. Sûreté un peu, sauvegarder des fichiers pour mon usage perso, quand je suis tombé sur un fil de discussion. Me concernant. Et le pire, c'est que je crois que j'étais censé le trouver. Le chef de la sécurité sait que je diffuse certaines infos. Depuis le début, probablement. Et pour le moment, il se contente de m'observer. Histoire de voir où je veux en venir. L'ennui, c'est que je n'ai rien prévu. Je vais crever parce que je suis curieux et stupide. Je suis même plus sûr que ce canal est sécurisé. Ils t'ont peut-être déjà repéré. Je deviens parano. Mais les Trinitaires, ils plaisantent pas. Ils sont partout. Plus j'en apprends, plus je réalise à quel point j'ai déconné. Alors je vais te faire plaisir. T'avais raison. J'espère que j'aurai l'occasion de te le dire en personne. Ah, ok. Y a une bouteille quelque part? La bouteille là? Je dois la récupérer où? Une petite boîte à pilules d'homme, ornée du marteau et de la faucille en émail.
La pile d'hommes. Il y a un résidu dedans et une forte odeur, un genre d'amphétamine. C'est donc ça les fameuses pilules d'homme. On va pas le goûter là, c'est chiant. Bon alors, nous. Ah oui, ok. Ah, quand même. Ah, il est déverrouillé. Bah... Allez. Ah non, c'est là d'où je viens. Bah. Ah. Autant pour moi. Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts qui ont le plus de valeur dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous, ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. Tous ces trucs sortent de la mine? Ouais. D'après les derniers rapports, ils ont stoppé l'extraction dès qu'ils sont tombés sur ce site. La révolte a commencé juste après, dans la confusion. C'est très ancien. On va sauter! Fouillez cette fois. Allez, on va en finir! Chaud devant! Ouais, c'est tout. Ça va. Ah, ok. Mince, j'avais vu une bouteille quelque part.
C'est bon là? Il y en a d'autres? Oh, c'est bon. Ah. Ah, j'avais eu. C'est la merde là! C'est la grosse merde! Mince. Ouais, je vais où là? En plus, là, ça, tous les métaux doivent être hyper chauds, alors l'échelle doit être brûlante. Ça va devenir une habitude. Merci. Ravi que vous soyez là. C'est votre raccourci ? Ouais. Mais on ne sera pas les bienvenus. Vous n'êtes pas obligé de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je veux toujours avoir des réponses. Alors ne perdons pas de temps. Trouver un moyen de racheter mon permettre de traverser la montagne. Mon peuple l'utilisait avant que les soviétiques n'arrivent et se mettent à creuser. Qu'est-ce qu'ils ont déterré? De quoi éveiller leur curiosité? Ils se sont servis de machines et d'explosifs pour creuser plus loin. Ils ont fait beaucoup de dégâts. La plupart des anciens passages se sont effondrés. Mais on ne risque plus rien. Allez, il vaut mieux pas traîner là. Et on va s'arrêter là. On va laisser le vol de suspense. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se dit à, je vous dis à plus tout le monde. Et à la prochaine pour la suite de Tomb Raider. Allez, bye bye.